Zwischen uns ist sehr geschah, du warst immer für mich da. Und jede große Kleinigkeit regeln wir immer nur zu zweit. Gibt es eine, die mich kennt, die genau weiß, was ich denk? Dann bist es du. Je le trouve pas. Où est donc ce bouton? Ah, le voilà. Et oui. Les petits poussins, on y va. Oh là là, très bien. Dis, est-ce que tu m'aimes? Je sais bien que tu vas me dire oui. Oh, oh. Suivante, s'il vous plaît. Oh, tu as l'air si triste. N'aie pas peur. Daniela, tu as oublié ton texte? En vérité, je suis trop éprise et tu pourrais croire ma conduite légère. Toujours pas de Juliette. Daniela, attends ton tour. Je peux pas porter ce costume, il est démodé. L'histoire se passe à la Renaissance, Roméo et Juliette. Alors ça veut dire que j'ai le rôle? Aidez-moi au secours. Inutile de t'inquiéter, ma petite Annie. Le rôle est déjà pris. Non, tu rigoles. C'est pas vrai. Qui l'a eu? Je l'ai eu. Ça ne pouvait être que moi, enfin. Bien essayé, Daniela. Suis-moi. Elle va auditionner au moins 200 personnes. Tu voulais passer l'audition pour le rôle de Juliette? C'est le rôle principal. Je suis pas sûre d'être à la hauteur. Évidemment qu'on va te regarder, ma petite Annie. Suivante. Annie? Aie confiance en toi. En route. Allez, Annie, à toi de jouer. Annie? Non, 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 je suis pas prête. Je veux pas y aller. Te voilà enfin, Annie. Viens, approche et lance-toi. Je suis désolée, mais je... N'aie pas peur, mon petit moineau. Ce n'est que de la poésie. Ce n'est que de l'amour. Laisse-toi emporter dans ce pouvoir qui maintient l'ordre naturel de ce monde. Le pouvoir de l'amour. Vas-y, Annie, s'il te plaît. Laisse-toi emporter. Les saintes restent immobiles, tout en exerçant leur prière. C'est superbe, magnifique. Et maintenant, au tour de Roméo. Restez donc immobile, tandis que je recueillerai l'effet de ma prière. Vos lèvres ont effacé le péché des miennes, l'amour. Alors, si jamais j'obtiens le rôle, il faudra que je m'habille comme Daniela. Comment ça, si t'obtiens le rôle? C'est moi qui ai passé l'audition. Je devrais peut-être jouer Juliette. Tu doutes trop de toi. N'importe quoi. C'est juste que j'étais pas prête. Bien sûr. Qu'est-ce qui se passe encore, Annie? Annie. J'ai entendu quelque chose.
c'était rien. Allez, rendors-toi. Ça venait d'en bas. C'est sûrement Mademoiselle Berthoux qui a eu un autre besoin irrépressible de mousse au chocolat. C'est possible, mais on voit rien. C'est sinistre, la dehors. Noir comme du charbon. Pourquoi tu dis des choses comme ça? Pourquoi? Vous avez peur du noir? N'importe quoi. On a peur de rien. J'ai oublié. Qu'est-ce que je disais? Mademoiselle, on dirait que vous avez vu un fantôme. C'est rien, tout va bien, Ellie. Et surtout, ne regarde pas. C'est juste un mauvais rêve. Que se passe-t-il ici? J'aimerais savoir pourquoi ces demoiselles ne sont pas couchées. Oh, Madame Megerlein, je pense que le château de Lindenhof est hanté. Quoi? Qui hante quoi, exactement? Ce château est hanté, il est hanté. Ne dites pas de sottises, enfin, Mademoiselle Berthoux. Regardez donc dans cette direction. Je ne vois rien. C'est ce que je disais? Absolument rien. Je l'ai vu pourtant, de mes propres yeux. C'était un fantôme. Mesdames, calmez-vous un peu, je vous en prie. Un fantôme? Oui. Et figurez-vous que Mademoiselle Berthoux affirme avoir vu un spectre de ses propres yeux. Bien sûr que je l'ai vu avec mes yeux. Comment je l'aurais vu sinon? Avec mon nez, mes oreilles. La seule chose qui compte, c'est le bien-être de nos pensionnaires. Donc, nous ne pouvons pas nous occuper de ce problème maintenant. Ce sera bientôt la fin de l'année, et les filles ont déjà bien assez de mal à se concentrer sur la préparation de leurs examens. Sans oublier la pièce de théâtre qui se jouera bientôt, et l'arrivée prochaine des correspondants anglais. S'il vous plaît, j'ai vraiment besoin de pouvoir compter sur votre aide à toutes les deux. Bien, mesdames, je vous souhaite donc une bonne nuit. Ah! 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 Le fantôme! Le fantôme! Oh, ce n'était que le vent, Mademoiselle Berthoux. Il n'y a pas de fantôme dans cette pièce. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond à Lindenhof. Qu'est-ce que c'est? Ceci est une chose pour laquelle il existe sans nul doute une explication scientifique avérée, mademoiselle. Oh, il y a plus de choses sur la terre et dans le ciel qu'il n'en est rêvé dans votre philosophie. Mesdames, si c'est insensé. C'est du Shakespeare. Je croyais qu'un rat blanc s'était sauvé de notre salle de biologie la semaine dernière. Alors qui sait, il est peut-être allé se cacher là-haut. Je vais régler cette histoire, madame. Dès demain matin. Bonne nuit, au revoir. Allez-y, mademoiselle. Madame. Notre époque est sans dessus-dessous. Et ce que nous avons vu il y a une minute, nous l'avons vu, je vous l'assure. Nous? Comment ça, nous? Nanny, j'espère que les correspondants sont sympas. Hello, my name is Annie. Nice to meet you. Nanny, qu'est-ce que tu as? Ça ne va pas? C'est à cause de l'audition? Fais-moi la promesse que tu ne laisseras jamais rien ni personne nous séparer. Je te le promets. De toute façon, je ne veux plus jouer Juliette. Bonne nuit, Nanny. Bonne nuit, Annie.
La marmelade d'orange doit être un peu amère. Et ceci n'a rien à voir avec du vomi, ce sont des baked beans, petites incultes. Vous voulez les empoisonner? Vous êtes renvoyés, oust! Bon, il en reste encore 11. Excusez-moi, vous avez vu les jumelles? Annie et Nanny? Oui. Nanny et Annie. Écoutez, mesdames, vous me demandez à moi de retrouver les jumelles alors que j'ai 3 repas assurés par jour, 12 candidates à recevoir et plus personne en cuisine. Non. Si l'une d'entre vous sait où se trouvent les jumelles, merci de bien vouloir leur dire de se rendre immédiatement chez la directrice. Elle complote encore quelque chose? C'est à cause du fantôme? Laissez-la parler. Non, à Lindenhof, il n'y a vraiment rien, mais absolument rien de mystérieux non, du non, tout. Non, 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 et surtout pas de fantôme. Si on parlait d'autre chose, le théâtre par exemple, c'est beaucoup plus intéressant. Qui va jouer Juliette? C'est quand même pas Annie. Tu as tout compris, c'est ça. Annie sera bien notre Juliette. Madame Megerlein. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'elle doit se rendre tout de suite dans le bureau de la directrice. Suivez-moi. Regarde, c'est la généalogie du comte de Lindenhof. C'est son portrait. Le comte Robertus de Lindenhof, né en 1578, disparu de façon mystérieuse en l'an 1620. Bingo! Ah! Comment allons-nous vous faire oublier cette histoire de fantôme? Il faut absolument vous occuper l'esprit. Ça fait 400 ans qu'il a disparu. Pourquoi il vient nous hanter que maintenant? Il veut peut-être interpréter Roméo? Oui, c'est ça. Et moi, je serai sa Juliette. Oui, tu seras bientôt notre Juliette. Je vais jouer Juliette? Oui, tu vas jouer Juliette. Madame Megerlein, je ne suis pas sûre de... Si, tu as le rôle de Juliette. Merci, mais je ne veux plus avoir le rôle de Juliette, finalement. Excuse-moi, c'est impossible, voyons. Ah, toutes les filles de l'école voulaient obtenir ce rôle. Et c'est la plus grande histoire d'amour de tous les temps. Roméo et Juliette, c'est là, la vie. Et la mort, l'amour, la haine, le paradis et l'enfer. Il y a des choses plus importantes pourtant. Non, 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 c'est impossible. Dis-moi tout, mon poussin, qu'est-ce qui ne va pas? Je dirais, pour commencer, les corvées. Vous l'avez voulu, vous êtes toutes les deux de corvées de cuisine. Et maintenant, on cuisine et plus vite que ça. D'accord, mais pourrais-je savoir qui va interpréter Juliette maintenant? Annie, Nanny. C'est vraiment gentil d'avoir refusé de jouer Juliette à cause de moi, Annie. Toi, en Juliette, c'est comme si on donnait le rôle de Gollum à quelqu'un d'aussi beau que moi. Elle a bien eu le rôle. Et toi, t'es bien trop laide pour interpréter Gollum. Ne t'énerve pas. Je n'ai pas accepté le rôle. Si tu veux savoir, ce rôle, c'est l'anti-moi. L'anti-quoi ? Les filles ne sont-elles pas ravissantes? J'ai réussi à tellement occuper les jumelles qu'elles n'auront plus le temps de penser à ce soi-disant fantôme. Oh, Madame Megerlein, on ne sait pas tout ce qu'il y a sur la terre et dans le ciel. Attention, on croirait entendre Mademoiselle Berthou. Redites-moi ça. Tenez, voilà les drapeaux pour les accueillir. Merci, Isabelle. C'est gentil. Bien. Ah, merci. Ah! Oh. Non, allez, stop, laissez-moi faire. Elle n'est bonne à rien. Non, 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 toi d'abord. Je suis sûre qu'on va bien s'amuser. C'est super. Elles arrivent! Elles arrivent, les voilà! Les correspondantes arrivent! Elles arrivent! Elles arrivent! Elles arrivent! Elles arrivent! Elles arrivent!
Hello. Je vous souhaite la bienvenue à Lindenhof. Gordon. You Gordon. Megerlein. Je suis le professeur Megerlein. Tout va bien, madame Megerlein? Non, oui. J'ai seulement été quelque peu surprise en découvrant qu'un homme avait été choisi pour accompagner les demoiselles de votre école. Les demoiselles? Vous êtes très amusante. Je suis amusante. She's funny. Dis, Erika, ouais. Tu veux bien me pincer? Dance off beat or laugh when I tell you something serious just makes me fall harder. Oh, I swear all the little things that you do will drive me crazy if it was anyone but you. Just wrong enough for my taste. Hi. Hi. Sorry, On peut parler dans ta langue si tu préfères. Je m'appelle Clyde, et toi? Le repas est servi, mademoiselle. Ça, c'est une surprise, par exemple. Allez, en route, mademoiselle. Hop, 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 hop. Plus vite que ça, si je peux me permettre. Ladies, allez, on ne traîne pas. C'est un signe du ciel. Des petits messieurs. Ah, pour interpréter les rôles masculins. Ah, te revoilà. On se connaît? Tu m'as déjà oublié? Je ne comprends pas. J'étais absolument convaincue que nous avions invité une classe de filles, monsieur Gordon. Nous avons fait 15 heures de route pour venir ici. Nous préparons le spectacle depuis des semaines. Regardez. Voici l'invitation que vous nous avez envoyée pour le spectacle. Oui, alors, dans ce cas, il y a forcément eu une petite confusion, dirons-nous. D'accord, mais... Nous parlions justement des problèmes de fatigue aiguë de l'une de nos chères collègues il y a très peu de temps. Je ne vois pas de quoi vous parler. Un moment, laissez-moi regarder ça. Alors, à l'internat Sinclair de Nottingham. Un moment, je croyais que Sinclair se trouvait à Nottingham. Nottingham, évidemment, Nottingham. C'est une de ces erreurs flagrantes, pour ne pas dire stupides, de madame... Megerlein. Sincère salutation, etc., etc. Allons, allons, je vous en prie, personne n'est infaillible. Excusez-nous, monsieur Gordon, nous n'allons évidemment pas vous renvoyer chez vous après un si long voyage. Soyez donc les bienvenus. Oh, oh, mais c'est pas possible! Mais qu'est-ce que t'as dans la tête? On ne met jamais de l'huile sur le feu! Sors tout de suite de ma cuisine! Ta sœur compte arriver quand, hein? Vous m'avez amené ainsi charmant, Roméo. Mademoiselle Berthoud? Oui, ma petite Annie? J'ai beaucoup réfléchi et je veux bien être votre Juliette. Ah, c'est magnifique, merveilleux! Il faut que je mette la photo. Où ai-je mis la photo? Annie? Voilà. Annie? Ah... Roméo et Juliette. Hey, my name is Daniela. But you can call me... Salut. Tu te souviens de moi maintenant? Oui, bien sûr. Je m'appelle Annie. Annie? Comme le miel en anglais? Pas tout à fait. H-A-N-N-I. On fait quelque chose ensemble? On sera ensemble au théâtre. Tu seras Roméo et... Tu seras Juliette. Quoi? Tu n'avais pas refusé le rôle? Si, mais j'ai changé d'avis. Tu ne perds rien pour attendre. Mes chers petits, je pense que vous aurez remarqué comme moi que nous avons eu une légère surprise à l'arrivée de nos amis anglais. Pour une surprise, ça c'était une surprise. Quoi?
Quoi qu'il en soit, notre chère école de Lindenhof est toujours prête à affronter l'imprévu, n'est-ce pas? J'aimerais donc souhaiter la bienvenue à nos invités. Faites comme chez vous. Ça veut dire qu'on va avoir des garçons dans nos chambres? Il est hors de question que vous partagiez les mêmes chambres. Nous procéderons donc à une petite réorganisation des dortoirs. Ladies and gentlemen, voici la barrière infranchissable, le pomerium, comme disent les latinistes. Tout franchissement de cette limite sera très sévèrement puni. Les filles de ce côté et les garçons de l'autre. Vous avez 10 minutes pour vous changer. Madame Megerlein. À partir de maintenant. Comment vous voulez qu'on réussisse à aller d'ici à là, si on n'a pas le droit de franchir votre ligne pommier? 9 minutes et 50 secondes. Salut Juliette. Pourquoi tu m'appelles Juliette? Annie, j'aimerais comprendre. D'abord, tu veux jouer Juliette, et puis tu veux plus. Et là, tu changes encore d'avis. Je sais pas du tout ce qui m'arrive. Je ne comprends même pas moi-même. Explique. Nani, je crois que je suis amoureuse. Oh non. Lily, ça peut pas être pire que maintenant. Salut! Je te faisais une blague, détends-toi. Annie. Moi, c'est Nani. Annie, je voudrais qu'on devienne enfin amies toutes les deux. D'accord. J'ai des trous de mémoire ou tu m'as déjà demandé d'être amie un jour? Oh, c'était vraiment méchant de ma part. Et après tout, on a plus 12 ans. Allez, si on oubliait tout. Je vais t'aider à apprendre ton texte, te conseiller pour le maquillage. Et je vais t'apprendre à embrasser. Lui apprendre à embrasser? T'as déjà embrassé... Enfin... Voyons, ma chérie, qu'est-ce que tu crois? Voyons, ma chérie, qu'est-ce que tu crois? Oh, mon petit raton, viens, 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 viens. Oh, mon petit raton, tu as échappé au vilain piège de la méchante Megerlein. Oh, 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 tu sens me faire. C'est bon, regardez, elle est pas là. La voie est libre, allons-y. Les chaussures sont ici et vos vêtements là derrière. Regardez ça, oh, comme c'est beau. Regarde ce foulard. Oh, regardez-moi ça. On fait une séance photo. Je peux savoir ce que vous faites ici? Allez, venez les gars. Waouh, regardez. Vous avez vu ça? Waouh. Hé, hey, oh, les saucisses. Hé, hey, la lumière. Chut, les gars. Pas de bruit. Megerlein arrive. Megger quoi? Élégance, sourire, et en avant. On relève le menton, tam tam, la tête haute. Oups. Allez les gars, dépêchez-vous. Le rossignol et non l'alouette, dont la voix percée, dont la voix... Ah, je sais plus, j'ai oublié. Est-ce que vous pourriez faire moins de bruit? J'arrive pas à me concentrer. Ah, mon oreille! C'est ça, l'oreille. Dont la voix percée, ton oreille craintive. Oh, ça sent vraiment mauvais. Ouais, c'est une vraie puanteur. Il faut souffrir pour être belle. Tu n'as pas envie d'être la plus belle Juliette de tous les temps? Bien, il faut laisser poser ta toute nouvelle couleur le plus longtemps possible.
Donc, tu dois garder ce bonnet jusqu'à demain matin, juste avant la première répétition. Tu vas avoir de superbes boucles dans les cheveux. Ah oui? De belles boucles dorées. Tu verras, c'est tendance. Salut, tu me cherchais? Non, pourquoi? Je vais à la bibliothèque. Venez les gars, je déteste les bouquins. Allez. Je peux venir voir la bibliothèque? D'accord, mais je peux pas traverser. N'aie pas peur. Non, j'ai pas envie. Madame Megarquark dort depuis longtemps. Allez, viens. Ou alors... Tu as peur? Peur, moi? Sûrement pas. Silence maintenant. Quelle lumière jaillit par cette fenêtre. Oh, voilà l'Orient et Juliette et le soleil. Oh, Roméo, Roméo, d'où viens-tu? Et dis-moi pourquoi? Oh, il n'est aucun rempart de pierre que l'amour ne puisse franchir. Ce que l'amour peut d'une manière ou d'une autre. Ah, oh, c'est quoi ce bazar? Je dois y aller. Roméo ne va pas faire de grosses bêtises, d'accord? On a entendu du bruit dans les combles. Pourquoi vous marchez comme ça? T'as jamais vu un défilé? Tu te moques de moi. Hey, salut. 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 Eh bien, on fait quoi maintenant? Puisqu'on est tous réunis ici, on pourrait peut-être faire une petite fête. D'accord, bonne idée. Tout va bien, mon petit. Oh, ne t'inquiète pas, c'est rien. Oh. Dis-moi que t'es pas sérieuse. Tu n'as jamais touché à tes cheveux, t'as même horreur de les laver. Et soudain, tu te pomponnes des pieds à la tête. Ça te ressemble absolument pas. Et tu fais tout ça pour un rôle de théâtre? Non, c'est pas pour le rôle. C'est pourquoi alors? Nani... Je suis tombée amoureuse. Ah, c'est ça. J'avais tellement peur de te l'avouer. Je savais bien que ça nous arriverait un jour. J'en étais sûre. T'es jalouse de moi. N'importe quoi. Non, ça n'a rien à voir. T'es amoureuse de quelqu'un, toi aussi? C'est génial, tu trouves pas? On est amoureuses toutes les deux en même temps. Surtout pas de moi, fantôme. Mademoiselle, du calme, ce n'est que nous. Ah, ce n'est que vous, mes poussins. Oh, quelle horreur. Oh, oh. Oh, mais qu'est-ce que vous faites là? On voulait s'assurer que vous alliez bien. Pourquoi tout ce bruit? Oh, mademoiselle Berthoud. Ce n'est rien, j'ai cru que... Qu'avez-vous cru?
Oh non, rien, rien du tout. J'ai rien cru du tout. Oh, ne me dites pas que vous abritez un fantôme. Moi ? Mais qu'allez-vous imaginer ? Dans notre pays, toute personne qui se respecte a un fantôme chez lui. Oui, heureusement, nous ne sommes pas en Angleterre. Très bien, on se dépêche. Après moi, tout le monde au lit. C'est bon, j'y vais. Y a-t-il autre chose ? Non, Madame Megerline. Please. Je comprends rien. La porte est fermée. Les gars. Attends. Clyde. Essaye de bien m'aider, d'accord? Messieurs, si vous voulez bien me suivre, saucisse. De moi. Retourne te coucher. Annie, il est vraiment là. L'amour est aussi profond que la mer. Plus je te donne, et plus il me reste, car l'un et l'autre sont infinis. Élisabeth Ière est née le 17 septembre 1533. Entre 15 et 16 heures. 1559. Quel pourcentage de sa vie a-t-elle passé à être reine? Ne vous laissez pas distraire. Je vous poserai des questions tout à l'heure. Et vous serez notés. Attention, mesdemoiselles, et musique! Un et deux, la grande fête des Capulet. Souriez, mesdemoiselles, je veux voir vos plus beaux sourires. On me montre ses dents, vos belles dents. On sourit, je veux voir de l'émotion, mesdemoiselles. Oui, de l'enthousiasme, triple, et maintenant on recule, c'est ça. Oui, c'est très joli, soyez élégante, je veux voir de l'élégance. Ah, arrêtez-moi cette musique. Oh, qui y a-t-il, ma petite? Parle-moi. Je sais pas danser la renaissance. On dit la renaissance, mon poussin. Et sachez, mes chères demoiselles, que cela veut dire naître à nouveau. Pourquoi ne voudrais-tu pas renaître? Peut-être, mademoiselle, parce que cette danse a plus de 400 ans et que je n'en ai encore que 14. Et que vous ne me ferez pas sautiller bêtement devant ces garçons. Bêtement? Mesdemoiselle, ce qui serait bête, ce serait de ne pas réussir à faire cette danse avec beaucoup d'élégance. Touloum, touloum, touloudoum, doum, 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 touloudoum et révérence. Ah, touloudoum, doum, doum. Oh, oh! Mon Dieu! Oui, alors. Ah, alors et en avant. On reprend depuis le début. Où est ma Juliette? Oh, la voilà, ma jolie petite Juliette. Tada! Oh, quelle horreur! Oh non, qui a transformé ma Juliette en reine des grenouilles? On dirait une sorcière de dessin animé. Daniela. Oh, c'est épouvantable! Et voilà ces messieurs qui arrivent. Par ici, venez, messieurs! Oh,
Oh, mais c'est mon petit Roméo. Où est Juliette? Où est Juliette? Juliette. Eh bien, elle est juste là. Salut, Juliette. Salut, Roméo. Hey, sympa ta cotte de maille. Elle te va très bien. Oui, je me suis dit que ça changeait un peu. Ça, c'est sûr. Alors, nous allons commencer. Tout le monde en place, s'il vous plaît. Juste une minute. Tu vas pas t'en sortir comme ça. Reste où tu es. Tu n'es qu'une pintade sans cervelle. Laisse-moi tranquille. Ne bouge pas. Laisse-moi. Hey, ça va pas, là. Oh, c'est pas vrai! Salut! Je vais transformer Daniela en mascara. Regarde de quoi j'ai l'air. Elle a tout fait pour gâcher mon histoire avec Clyde. Nani, qu'est-ce que tu as? Ça n'a vraiment pas l'air d'aller. Écoute, tu sais ce qu'on va faire cette nuit? On va aller à la chasse aux fantômes. Nani? Nous allons commencer. Musique! De la passion, mes poussins. Oh non, c'est trop gênant, j'ai tellement honte. Je sais, je suis dans le même état que toi. Je veux boire de la passion. Monsieur Gordon, qu'est-ce que c'est que ça? Sorry, nous n'avons pas répété cette danse. Messieurs, un peu plus d'enthousiasme. On regarde, on apprend et on s'amuse. C'est ça, le théâtre. Nous allons commencer par un petit exercice. Faites comme si vous l'appeliez au balcon, juste au-dessus. Avec passion. Juliette! Juliette! Oui, on verra ça plus tard. Et maintenant, mesdemoiselles, faites-le avec grâce, hein? Penchez-vous au balcon. Roméo! Roméo! Nous allons plutôt danser, ça vaudra mieux. Musique! On reprend du début. Allez, en piste. On s'amuse. On s'amuse. Je peux pas danser ça. Moi non plus, j'aurais préféré danser du hip-hop. Rira bien, qui rira la dernière, Daniela. Nani? Que se passe-t-il? Rien. Je voulais parler avec mes parents, mais ils ne sont pas à la maison. D'accord, mais il y a autre chose qui te chagrine, non? Pauvre petite Nani. Tu penses que personne ne te comprend? Tu peux me croire, quand j'avais ton âge et que j'étais élève ici à Lindenhof, je pensais exactement la même chose. Ça ne peut plus continuer comme ça. Daphné... C'est la cinquième que je mets dehors. Cinq autres ont abandonné. Il n'en reste que deux. Deux malheureuses candidates. Chère Daphné, pourquoi pensez-vous que si peu de personnes ont répondu à notre merveilleuse offre d'emploi? Parce qu'elles veulent être payées plus que des cacahuètes. Ah, Daphné... Ne me mentez pas cette fois. Nous étions d'accord. Je devais vous aider à trouver une cuisinière. Je suis conceptrice culinaire. Oui. Je quitte cet endroit à la fin de l'année. Point final. Oui, Daphné. Nous devons tous faire des sacrifices. Nous n'avons pas beaucoup de moyens. Vous voyez cette lucarne au-dessus de votre tête? Devinez qui va devoir la réparer. Ce ne sera pas moi, en tout cas. Je m'en chargerai. On a faim, 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 on a faim. T'as vu, il n'y a rien dedans. Je ne sais pas non plus ce qui se passe. Salut. 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 My name is Elizabeth.
But you can call me Lily. I'm set. Oui, super. On pourrait avoir quelque chose à boire. Oh, mais bien sûr. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que c'est? On appelle ça le dernier cri. Bon, je crois qu'on est quitte cette fois. Ta copine n'a pas l'air de beaucoup aimer le soda. C'est bizarre, non? Tout le monde aime ça pourtant. Sauf ton petit copain. Lui, il aime la bière. Quoi? Tu as quelqu'un? Oui, il a 17 ans. Il est super canon et c'est un champion de taekwondo. À vos places et plus vite que ça. Où est Monsieur Gordon? Pourquoi ne vous surveille-t-il pas? En quoi puis-je vous aider? Monsieur Gordon, je croyais que vos élèves comprenaient notre langue. Dites-leur de se tenir à carreau. Gentlemen, je vous demanderai de faire preuve de maturité et de bien vouloir respecter les règles établies et de vous limiter à cette moitié du réfectoire. Peter. Oui. C'est ce que je leur avais dit. Tu trouves ça aussi drôle que ça? Il fallait peut-être le leur dire gentiment. C'est ce que j'ai fait. Je crois que je préfère encore dormir à la cave que de passer une nuit de plus dans la même chambre que ta sœur et toi. Elle a un sérieux problème. Dès que j'arrive à l'attraper, je vais lui faire regretter. Daniela fait tout pour nous séparer, Clyde et moi. Elle est tellement jalouse, elle veut me le voler. Mais enfin, ce garçon ne t'appartient pas. J'ai l'impression d'être si vide quand il n'est pas près de moi. S'il te plaît, aide-moi. Tu m'en as fait la promesse. Pour toujours, pour l'éternité. Regarde-toi! C'est exactement ce qu'il faut pour aller avec la danse de Mademoiselle! On en a enfin fini avec cette danse! Aujourd'hui, on va faire le spectacle avec les garçons! J'ai déjà réfléchi à une super choré, tout est dans ma tête! Juliette et Roméo! Roméo et Juliette! On n'avait jamais vu un amour aussi grand! On n'avait jamais vu un amour aussi grand! Ah, Lily, t'es vraiment géniale! Mais comment tu vas faire pour apprendre la choré aux garçons? Merci. Toi, tu prends ça. D'accord. Dépêche-toi. Il nous reste quand même un problème. Madame Megerlein, il faut qu'on réussisse à l'occuper pour qu'on puisse répéter avec les garçons. Oui, Madame Megerlein et Monsieur Gordon. Megerlein et Monsieur Gordon. Erika, t'es un véritable génie. Oh, mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est trop dur. Viens m'aider. Je croyais qu'on allait à la chasse aux fantômes. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. D'accord. Mon cher Clyde, oui, j'avais réussi à écrire ça toute seule. Je te trouve vraiment super. Je suis tombée amoureuse dès que je t'ai vue. Et même si tu te moques de moi, tu resteras toujours mon roi. Waouh, Nani, t'es la meilleure, merci. Daniela a laissé son rouge à lèvres. C'est bien, non? Qu'est-ce qu'il y a encore? J'ai pas confiance en moi. Tu pourrais aller la déposer pour moi? Tu n'auras qu'à la glisser sous la porte. Je ferai toutes tes corvées de cuisine.
Théobald, les fantômes n'existent pas. C'est pour toi. De la part de qui? De ton champion de taekwondo? Non, de... Pourquoi tu me dis pas ce que t'as à me dire, Annie? Clyde, je... Ce n'est pas vraiment moi. C'est pas vraiment toi? Here comes the bride, all dressed in white. Chut, chut. J'en étais sûre. Madame Megerline... Annie Sullivan. Non, moi, c'est Nanny. Nanny Sullivan, que fais-tu là? Je n'avais pas le choix. Tu veux me dire ce que tu faisais chez les garçons? Rien. D'accord, comme tu voudras. Je n'ai pas le choix non plus, tu as un blâme. Tu comprends ce que ça veut dire? Tu as déjà commencé les corvées de cuisine? T'aurais fait pareil pour moi, non? Oh, Nanny, je t'aime tellement. Clyde t'a dit quelque chose, il était content. Nanny. Cette fois, c'est trop. Le comte de Lindenhof. D'accord, monsieur le comte. On arrête de jouer. Montrez-vous. Maintenant, souris, rat, fantôme, vous avez intérêt à vous montrer. Ah, Annie. Annie. Annie, arrête, reprends-toi. Tu pourrais rire un peu. Qui êtes-vous? Kestner, le professeur Conrad Kestner. Qu'est-ce que vous faites ici? Pour tout vous dire, c'est une longue histoire. On veut bien la version courte. J'étais chez moi ici autrefois. Enfin, pour être plus précis, j'étais déjà là quand votre directrice était élève ici. Madame Théobald? Oui. Tamina Théobald. Nous nous sommes perdus de vue. J'ai parcouru le monde. J'ai même étudié la poésie persane. Malheureusement, toutes ces choses n'ont pas fait ma fortune. Et aujourd'hui, je n'ai plus d'argent. C'est pour ça que vous vivez dans le grenier? Oui, je ne sais pas comment expliquer tout ça. C'est pour ça que je reste caché ici, après toutes ces années. Ouais, je comprends très bien. Comment ça? Tu trouves que c'est une bonne solution de rester caché ici? Il vaut toujours mieux dire la vérité. Ouais, bien sûr, c'est toi qui dis ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Les enfants, vous ne savez pas à quel point l'amour peut être cruel. Si vous aimez Tamina, Madame Théobald, si vous l'aimez vraiment... C'est justement à cause de ça. Je ne lui ai jamais dit. Je n'ai jamais eu le courage de lui avouer. Il n'est pas trop tard pour le lui dire? Incroyable, j'ai trouvé. Fais voir. C'est forcément lui. Tu penses la même chose que moi? Évidemment, pourquoi on serait jumelles sinon? Nanny, tu crois que Clyde a remarqué que tu n'étais pas moi? Tu penses qu'il sait qu'on est deux? Il ne nous a jamais vus ensemble toutes les deux, si? The way you dance off beat. Laugh when I tell you something serious. Just makes me fall harder. It's just so ridiculous. The way you sing off key and always take credit for the obvious. Just makes me fall harder. I swear that all the little things you do would drive me crazy if it was anyone but you. So fly in all the right ways. Your imperfections are beautiful, wonderfully unusual. You're just wrong enough for
tiens. Ah ah, Monsieur Gordon. Madame Megerline. Je ne peux que constater que vous n'avez aucune autorité sur ces garçons. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, ce n'est pas grand-chose, madame. Une petite lettre, rien de dramatique. Ce n'est pas grand-chose, rien de dramatique. Qui l'a écrite ? Pour qui ? Bien, comme vous voulez. Ah. Où allez-vous ? Nous allons voir ça, un peu de lecture. Chère madame Megan... T'as vu sa tête? Chère Madame Megerline, je vous présente mes excuses pour la façon dont je vous ai parlé. J'ai énormément de respect pour vous et me sentirai très honorée si... Très beau. Jusque dans je serais particulièrement honorée si vous acceptiez de m'accompagner au cinéma ce soir. Je vous attendrai à 19h à la Scala. H. Gordon. R. Megerline. Pourquoi souriez-vous bêtement? Il n'y a rien de drôle, c'est la grande scène du premier baiser. Vous n'avez pas à être gênée. Cette scène n'est que pureté et innocence, mes poussins. Le texte, s'il vous plaît. Les saintes restent immobiles, tout en exaucant les prières. Restez donc immobiles, tandis que je recueillerai l'effet de ma prière. Vos lèvres ont effacé le péché des miennes. Oh. Roméo, non, 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 ne sois pas si impétueux. Tu n'es pas un macho. Chère Annie, c'est Daniela qui a inventé cette histoire de champion de taekwondo. Je te trouve trop mignonne. Il m'a cru. Et il trouve ça trop mignon. Et moi aussi. Et si Madame Megerline et Monsieur Gordon tombent dans notre piège, je le verrai ce soir à la répétition. Je suis tellement heureuse. Oh, Annie, je te remercierai jamais assez. Ça va pas ? T'es pas contente pour moi ? Oh, je sais. J'aurais vraiment aimé faire les corvées à ta place. Mais ce soir, je ne peux vraiment pas. Je suis sûre que tu comprends. Devant qui ? Mademoiselle Berthoud. Et le
dernier jour de classe, on fera quoi? Notre propre spectacle! Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Je ne pensais pas que vous choisiriez un film si émouvant. Une petite minute, c'est vous qui m'avez invité. Mais ce n'est pas mon écriture. C'est pas la mienne non plus. C'est sans fin. C'est bien quand même. Erika. Hands on the clock, don't stop all day. The ball's in the air, my game is so in play. Walking around like a millionaire to the top. Tu devrais écrire des poèmes, Annie Shakespeare. N'importe quoi. Bah si, c'était mignon. Tu voudrais pas me le lire? Quoi? Ton poème? Aucune fille ne m'avait jamais écrit un poème aussi cool. C'est une situation très compliquée. Mais comme tu l'as dit l'autre jour, il vaut toujours mieux dire la vérité. C'est pas moi qui dis ça. C'était ma sœur Annie. Mais je croyais que les jumeaux pensaient toujours la même chose. Non, pas du tout. Pourtant, vous avez choisi le même prince charmant. Qu'est-ce que je dois faire? Je ne peux quand même pas dire à Annie que je suis amoureuse de son petit ami. Tu connais Rumi? Le grand poète Rumi. L'amour embrase mon cœur. Tout le monde peut en voir les flammes. Tu comprends? On ne peut pas cacher un amour. J'ai peur que Annie ne veuille plus jamais me parler. Si j'attends encore un petit peu, ce sentiment va peut-être disparaître. Celui qui aime est toujours grisé par l'amour. Et l'amour est libre. Il est insensé. Il valse avec l'extase et le ravissement. Celui qui s'enivre un jour de cet amour... Alors ça ne disparaît jamais? L'amour ne s'en va jamais? Il y a une chose qui ne disparaîtra jamais. Ta sœur sera jamais ta sœur, Nani. D'accord. Je vais lui dire. Je vais lui dire aussi. Annie, Nani, j'ai un énorme problème. Annie, je ne peux plus me taire. C'est trop dur, il faut... Non, moi d'abord. Mon rouge à lèvres a disparu. Oh, merci. Au fait, autant que tu le saches, je vais te piquer ton cher Roméo. Dirty Daniela is back. T'as déjà perdu, Daniela? Quoi? Il a déjà promis de m'aimer pour toujours. Tant que vous ne vous êtes pas embrassés, ça ne vaut rien. Dommage, c'est déjà fait. Vous vous êtes embrassés? Qu'est-ce que tu crois, ma chérie? Thank you.
Salut. Pourquoi t'as disparu si vite? Je t'ai cherché partout. Je... J'arrive pas à y croire. Il faut que je te parle. Tout de suite. Hé, les jumelles Sullivan. J'aurais dû m'y attendre. Vous comptez rester planté là? Oui. Oui. Non. Non. Madame Megerlein. Comment t'as pu me mentir? Moi, je t'ai menti. Tu manques pas de culot. Je ne t'ai pas menti une seule fois. Bien sûr que si. Et toi, tu m'as trahi. Non, c'est toi qui m'as trahi. Tu as été odieuse! Non, c'est toi! Tu t'es servi de moi! Non, c'est toi! Non, c'est toi! C'est pas vrai! Si, c'est vrai! Je ne t'adresserai plus jamais la parole! Je ne te parlerai plus jamais! Mes enfants, nous allons commencer. Qu'est-ce que c'est? Où est ma musique? S'il vous plaît, mademoiselle. Vous voulez bien qu'on vous montre quelque chose? Ah oui, mais qu'est-ce que c'est? On a eu une idée. Vous avez eu une idée? S'il vous plaît. Une idée, hein? D'accord. Bien, mais seulement 10 minutes, d'accord? Oui! Vous êtes prêts? It's show time! Oui! Allez, on y va! And when the world explodes, when the world explodes, I'm standing by your side. Tu m'as menti, Nanny. Non, c'est toi qui m'as menti, Nanny. C'est vous qui m'avez menti. Qu'est-ce que tu dis? Vous vous êtes servi de moi. Pas du tout. C'est toi qui t'es servi de nous. Je ne pouvais pas savoir que... Quoi? Que vous aviez un double et que vous êtes deux. Quelle perspicacité. Vous avez tout fait pour que je ne le découvre pas. Il faut vraiment être aveugle pour ne pas voir que je ne suis pas elle. Je ne suis pas comme elle. Elle est odieuse et sournoise. N'importe quoi, c'est toi qui es odieuse et sournoise. Non, c'est pas vrai. Bien sûr que t'es si. Vraiment odieuse. C'est toi qui m'as tendu un piège. C'est pas vrai. Bien sûr que si. Silence. Assez, on arrête. Cette fois, c'est terminé. On oublie cette idée, les enfants. Tout ça, c'est du passé. On arrête les expériences. D'accord? Super, vous deux. Vous avez tout gâché. Mes enfants, nous n'avons plus qu'un jour pour répéter. D'ici là, vos parents seront tous assis là, devant vous. Alors, nous allons faire, comme d'habitude, à deux exceptions près. Annie et Nanny, venez près de moi. Les autres, remettez vos costumes Renaissance. Annie et Nanny. Roméo et Juliette est une grande histoire d'amour. Et elle ne peut exister qu'avec de l'amour. S'il y a une dispute, cela ne fonctionne pas. Cela me fait vraiment de la peine, mais je dois vous dire adieu. Tu pourras faire tes corvées de cuisine toute seule. Est-ce que... Où vais-je trouver une nouvelle Juliette maintenant? Je crois que j'ai une idée. Oh non. Ça ne peut plus continuer comme ça. Nanny, c'est ton tour. Cœur. Je n'abandonnerai pas Madame de Cœur. C'est pas grave. Vous pouvez prendre mon valet de cœur. Tamina. Conrad. Comme tu es belle. Qu'est-ce que tu fais là? C'est une longue histoire, si tu savais.
Ich hab noch nie auf dich gewartet oder zu dir aufgeschaut. Und solange wir uns schon kennen, ist mein Herz bei dir zu Haus. Ich musste dich nie suchen, du warst immer für mich da. Hast mich beschützt wie ein Engel, Flügel gegeben, wenn ich traurig war. Ah, ah, wir Königin verstehen uns. Aucun homme n'aime revenir en perdant. En perdant? Comment cela? Tu as quand même publié 3 livres sur la poésie persane, et je les ai tous achetés. Tu as fait ça? Oh, Conrad. Regarde ça. Tu vois, ton visage n'a pas perdu l'expression nostalgique qu'il avait autrefois. Angélique. Tu cuisines toujours aussi bien qu'à l'époque? Bien sûr. Tu te souviens de ça? Évidemment que je m'en souviens. J'ai peut-être une idée. J'ai peut-être une idée. Ah, ah non, cette fois, je te craque. Annie, ferme la fenêtre. Ferme-la, vite! Toute la farine envolée! Toute la farine envolée! Oh! Eh oh! Y'a quelqu'un? Écoutez, je sais que vous m'en voulez pour ce que j'ai fait. Mais j'ai vraiment besoin de pansements. Et vous savez ce qu'elle a fait? Elle s'est envolée elle aussi et m'a laissée toute seule en cuisine. Madame Théobald, j'en peux plus. Je suis à bout. Excusez-moi. Je le regrette, Daphné. Moi qui voulais justement vous présenter notre nouveau chef, le professeur Conrad Kestner. Oh, les miracles sont encore possibles. Super. Bonjour. Je suis vraiment contente qu'on soit réconciliés. On a encore un petit problème. Tu parles du fait que toute l'école nous déteste? De ça aussi? Je pensais surtout à autre chose. Tu sais, notre problème blond. Daniela. Et la partie rapide. Vite, vous ne trouvez pas ça amusant? Allez, allez. Mes enfants, gardez votre beau sourire. Souriez, la vie est belle. C'est ravissant. Vraiment ravissant. Et maintenant, nous arrivons à la dernière partie de notre pièce. Merveilleux. Veux-tu donc partir? Le jour n'est pas proche encore. C'était le rossignol. C'était... Le rossignol et non l'alouette. Donc, c'était en tout cas, t'étais bien meilleure que Daniela. Ouais, un tout petit peu, c'est vrai. Chante. Toutes les nuits. On devrait lui couper les cheveux pendant son sommeil. Nuit. Et on pourrait teindre toute sa garde-robe en noir. Non, en vert. Sur le grenadier là-bas, mon amour. Mais que se passe-t-il, Daniela? Il faut que tu te concentres. Vous devez tous vous concentrer. Tu dois apprendre ton texte. La beauté ne fait pas tout.
Tu penses à la même chose que moi? Oh mon Dieu, demain vos parents seront tous là. Oh, nous avons encore tellement de choses à faire. Qu'est-ce que c'est? Oh, la décoration, oh mon Dieu! Madame Théobald, nous ne pourrons jamais assurer la première. Mademoiselle, c'est une catastrophe. Entre, mademoiselle, c'est impossible. Les parents arrivent demain. Mademoiselle? Mademoiselle, ça ne peut pas être aussi grave que ça. Ah. Je ne vous ai pas encore présenté. Mademoiselle, je vous présente le professeur Konrad Kestner, le plus grand des fantômes. Je veux dire, un vieil ami. Et je te présente Mademoiselle Berthou, une de mes merveilleuses collègues. Mademoiselle Berthou? Oh, je n'ai rien, elle est comme ça. Qu'est-ce qui t'arrive? Ma vie est bel et bien gâchée. Quoi? C'est fini, tout est annulé, on ne jouera pas la pièce. Et c'est de ma faute. J'ai peut-être une idée. Wasn't right. I couldn't say a word when you looked me in the eyes. No, I could hardly understand that you are the one to show me just who I am. Now I know what I'm supposed to do. C'est l'amoureux de Madame Théobald. I just wanna spend time with you, and you can spend time with me too. Bonjour. Bonjour. Ça va être absolument affreux. Je risque de défaillir. No worries, mademoiselle Berthou, tout va bien se passer. Bonjour. Bonjour. Bien, nous devrions vraiment commencer maintenant. Oui, mesdames, nous devrions lancer la représentation maintenant. Bonne chance. Bonne chance.
Deux familles, égales en noblesse, dans la belle Vérone où nous plaçons notre scène, sont entraînées par d'anciennes rancunes à des rixes nouvelles. En gros, et pour résumer, ils n'avaient pas compris que cet amour était immense. L'histoire d'amour de Roméo et Juliette. Merci d'éteindre vos téléphones portables et de ne pas oublier de sortir vos mouchoirs. Timonier, nous prenons garde. Timonier, tu prends garde. Merci à tous. Oh. Clap de fin. Coupé. J'ai bien réfléchi. Quoi ? Je veux bien jouer Roméo. Je veux bien jouer Juliette. Enfin, je voudrais bien me jouer, mais il faut que je change de coiffure alors. Tu ferais un Roméo fantastique.
Alors, monsieur le comte, on arrête de jouer. Montrez-vous. Et Annie ? Je voulais dire Nanny. Je nous ai confondus, tu penses que c'est un vampire ? Qu'est-ce que vous faites là ? Non, encore. Ça va durer encore longtemps. Mamma mia. Tu es tellement belle. Qu'est-ce que tu fais là? N'arrête pas de jouer. Ce sera bientôt la fin de l'année et les filles ont déjà bien assez... Oh, cette phrase. Je recommence. De la fin de l'année... Ce sera bientôt la fin de l'année et les filles ont déjà bien assez de mal à se concentrer sur la préparation de leurs examens. Mais j'ai oublié un truc. Oh non, j'y arriverai jamais. Ça va aller, je peux y arriver. C'est pas si difficile. Bien. Je ne peux que constater que vous n'avez absolument aucune autorité sur ces garçons. Monsieur Gordon, voudriez-vous me les associer à haute voix?